Et nous sommes Rubber G, XCOM 2, War of the Chosen. La dernière fois, nous avions fait une mission qui n'était pas prévue du tout. Enfin, c'est une mission comme ça, enfin bref. C'est bien passé, c'était un peu limite, hein. C'était un peu limite, on a failli perdre... Non, on a failli perdre personne, mais j'ai tellement bien joué que ça s'est super bien passé au final, voilà. On se lance un peu des fleurs de temps en temps. On est parti. On a dit qu'on voulait aller d'abord au marché noir. Pour aller voir un peu ce qu'il y avait de nouveautés, parce qu'on a plein de renseignements, on a 377, ce qui est très élevé quand même. Et après, nous allons encore nous soigner en boucle. Le marché est ouvert. Ah, donc on va voir. Alors, on a un viseur, chargeur et gâchette supérieure. Gâchette facile supérieure, c'est 15% d'avoir une action. On va le prendre. Prendre un ingénieur, des ressources, informations sur l'élu. Je dirais pas non pour des ressources. Viseur laser, c'est pour les... On va prendre ça. De l'hélérium. Je sais pas trop. Instantané, sans 20 de renseignements. Ça peut être utile, mais je pense qu'on va avoir besoin d'hélérium et de ressources. Donc on va prendre hélérium et ressources. Voilà. On va aller soigner. Calcul du nouveau cap du Talion. On va laisser passer quelques jours comme ça, en soins. Et après on va prendre contrôle, contact avec cet endroit là. Ouais, on va devoir prendre contact. Commandant, le projet Avatar des extraterrestres continue d'avancer. Si nous voulons les ralentir, il va falloir faire vite. Okay. Donc on a 7 joueurs. Alors je me rappelle qu'à l'époque, bon ça a été patché, mais je crois que je l'avais déjà expliqué. Avant vous pouviez... comment dire, un peu... Vous aviez 7 jours en fait. Et si vous baissez, si vous attendez par exemple jusqu'au dernier jour et vous baissiez d'un cran, et que après vous repassez en avatar en étant plein, là la barre en étant pleine, vous repassez en fait à 7 jours. Donc à chaque fois vous avez 7 jours. Ouais. Mais maintenant ils l'ont corrigé, je crois qu'à chaque fois ça descend de plus en plus. Enfin ça va rester à... où ça s'est arrêté. 8 jours, 48 heures... 46 heures, pardon. On va faire 46 heures. On va faire encore une journée. Je pense. Nous sommes victorieux et notre cause avance. Quoique pour nous prendre contact, ça risque de prendre du temps. Enfin, je sais pas, on va voir. Et mes partisans ont hâte d'en découdre. Je pense qu'on va faire sabotage. Attends. Combien de temps? Je vais ordonner à mon peuple de se mettre en route. 10 jours, donc on sera mort avant. On va devoir prendre contact. Et prendre contact, je sais pas combien de temps ça prend. 21h. Oh, pardon. Pardon, pardon. Australien. On va avoir un problème. Si on n'a pas de mission pour arrêter le projet Avatar. Tentative de contact régional local.
Taz. Ah, on joue avec le feu là. L'adage d'Icarus. Je sais qu'on a ça, mais. On verra ça après. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant ? Fabrication d'objets. Non, c'était le terrain d'essai, pardon. Moderniser, très bien. On l'a fait, le jack. Non, mine cérébrale, voilà. Un choix intéressant. Je vous fais signe dès que ce sera terminé, commandant. On devrait avoir une mission normalement, enfin j'espère, et on va... Notre inspiration était la bonne. Très bien. Ah, on peut améliorer le sabre. Je crois, hein, ou pas. Instantané Inferno Canon. Ça c'est pour les Sparks. C'est un lance-flamme pour les Sparks. On va mettre ça. Nous nous mettons immédiatement au travail, commandant. Je vous contacte dès que je peux vous fournir un rapport complet. Alors, ingénieur et 93 de renseignement. C'est parti. Cap sur la circonscription de l'Est. Alors là, il va falloir faire le jack, hein, parce que sinon on est mort. Sinon c'est mort, sinon là c'est la fin. La fin de la partie. Alors balle tuée pour la glace. Templier favori, le Vector. On va tester un truc. Le jack sur le Templier. Critique, ça peut être intéressant avec Mox. Mais je pense qu'on va prendre Venin. Unis contre le feu et l'acide, c'est bien ça. Faudrait à chaque fois que je déséquipe les gens, mais... Je sais qu'il y a une touche pour déséquiper tout le monde, mais à chaque fois ça enlève vraiment toutes les armes et tout. J'ai pas vraiment envie de faire ça. On a le blindage d'Icarus aussi qui est prêt. Armure War. Je crois que blindage d'Icarus, c'est moins 1... En objet. Grâce à la mobilité de l'Archon, cette armure devrait vous offrir une liberté de mouvement totale au combat. Ah non. Ah, intéressant. Alors, sauter au sommet, robot. Le système de propulsion de l'armure arrière permet à son porteur de changer instantanément de position en sautant. Mais je crois qu'on peut le faire que deux fois. Après, il n'y a pas grand monde qui pourrait l'utiliser, l'armure, hein, honnêtement. C'est ça le truc. On peut pas leur mettre. Imaginez un Templier avec la.
Avec l'armure d'Icar. Ou alors Mox. À la limite, j'ai envie de le mettre sur... On va faire ça, attendez. Un flottement des dégâts de tous les ennemis qui attaquent au corps à corps. Bouclier mental. Acide, balise. On met feu. On a poison, il faudrait feu. Voilà, bon on n'a pas, c'est très difficile par contre, hein. On n'a pas les munitions robots là, qu'est-ce qu'on les met à la place peut-être, ouais, peut-être à la place on les met, comme ça il pourra tirer plusieurs fois dessus, ça va faire mal. Et là, on met le jack. Bon c'est parti. J'ai envie d'utiliser ça, j'ai envie de tester ce que ça fait. On n'a pas trop de points en fait. Tir enchaîné, ça peut être utile. Du coup, c'est lui qui devrait prendre les balles. Mais bon, lui, c'est un lance-grenade. Allez, on y va. Mercure déployé. C'est bon, on peut y aller. Nous avons capté un faible signal de détresse dans ce secteur. La résistance a confirmé qu'il s'agissait d'un de leurs codes. Nous allons donc procéder à une extraction d'urgence. Nous devons sécuriser la zone et escorter le VIP au point d'évacuation. Attention aux contacts hostiles. Ça va être un peu embêtant là par contre. C'est une mission avec des tours, on n'est pas dissimulé je crois. Cible transmise. Protégez le VIP et rejoignez la zone pour son extraction. Advent sait déjà que nous sommes là. Votre position n'est pas camouflée pour l'extraction. Cool. 14 tours. On doit... Ouais, c'est une ligne droite, quoi. Donc on va avoir beaucoup de combats. On va avoir beaucoup de combats. Parti. Placer là. Ils vont sûrement venir. Why? Why? Exact. Ça me semble raisonnable. Faudrait que je me regarde des épisodes de Freeman's Mind. Faudrait que je me les remette du premier. Des fois, j'aime bien me faire des soirées comme ça. Je me fais à manger tranquillement. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis des gens en joue. Et je me regarde des séries.
étourdi. Bien. I can always count on you to be horrible. Simple and horrible. Ah, Gordon. Il y a du monde. Il y a du monde, dis-moi. On va pas lésiner sur les moyens. Ok, on peut se mettre en hauteur, c'est bien. On a du toxique, mais on a deux robots. On peut pas toucher les deux en même temps. Lui, il a que 10 HP. Vous paierez pour ce que vous avez fait. Comme ça, ça s'est fait. Gracieux comparé aux autres espèces connues. Il émet aussi de très fortes radiations psioniques. Je pensais pas en trouver un maintenant. Faire ça. With pleasure. Un toxique. Je sais que la boule, on peut l'empoisonner. Pourrait faire, c'est faire ça, après se déplacer genre là ou là et envoyer une grenade poison. Fais l'animation s'il te plaît. Je vois pas pourquoi tu veux. Ils veulent pas faire l'animation. Parce que j'ai un modèle. J'ai un modèle d'un mod. Pourquoi ça veut pas? On peut glacer ces deux-là. C'est peut-être mieux. Ça fait deux incapacités. Vraiment une bonne position là. Déplacement tactique. Set d'armure, par contre ça fait un peu chier. Toi t'as des balles de quoi? De feu? On t'a mis des balles quoi? Ah non, on t'a mis des balles électriques. Ouais, 12-13. Oh la vache, non! T'as pas le droit! Non, honnêtement, t'as pas le droit. Oh la vache. T'as pas le droit de te louper pour des trucs comme ça. C'est trop important.
Ah, oh, super. On va voir. De combat. Oh, hold on. Let me reload. Dix à douze. Ouais, vas-y. Tue-le-moi, s'il te plaît. Merci. Science will thank me someday. That makes no tactical sense at all. Merci. Se mettre à côté de Mox, mais du coup on risque d'attirer l'attention. On my way. Je sais pas. Camion. Overwatch. Pas grand chose à faire. On va voir comment ça se passe. Oh la vache. Lui il risque de vouloir réanimer les morts. Nous vengerons son sacrifice avec force. Ou pas. Ok, il reste plus que lui. Yes, parfait. Ils aimeraient me voir fléchir. Très bien. Toucher les trois en même temps. Non, c'est deux ou pas. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu. Attention, non. À cause de ça en fait, de ce petit bout. Je crois. On pourrait faire ça, ok, c'est bon. Bon à savoir. Je charge. On a du toxique, on peut empoisonner le robot, enfin le truc chiant là. Mais je préférais empoisonner les autres là-bas. Comme ça. Watch out!
Très bien. Alors, Mox. Faudrait baisser son armure. Donc pour baisser son armure, il nous faut de l'acide. Alors comme ça. Bien. Oh cool. Les trois là. Ah merde, mais j'ai le templier aussi. Comme ça. Très bien. Yeah, keep on gargling. I'm reloading. Plus que 8. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est volt. Ça fait 8 à 11. Donc ça pourrait le tuer. On a la taillade aussi. Toi, t'as pas fini de jouer. Le mieux, ça serait de taillader comme ça. Après la taillade, il peut se mettre en parade. Là, c'est 46%. Allez, elle est très très dure cette boule à toucher en fait à chaque fois. Parce qu'il a un truc naturel de protection. Il est en train de brûler. À 3. On pourrait tirer, hein. Et si on fait 7, il meurt au prochain tour, mais 6% quoi. Camille, moi je dirais faire ça quoi, mais bon, je sais pas. Ah, on fait volt pour être sûr. Vous porterez ma marque. Ouais. Et maintenant, on fait tir enchaîné 16. Œil de lynx. Ça nous dit pas en fait s'il va pouvoir voir la théorie, oui. Parce que là on est à 15-18 mais avec 91% de chance de toucher en fait. Ah bien. I am not. Let's go.
blow some shit up. T'as pas vu sur lui là-bas? Roger that. Bizarre. Je pense que Gordon, tu vas rester ici. Voilà. Empoisonné, brûlé. Ok, c'est l'heure de tanker, Templier. Très bien. Beaucoup d'esquives. Donc, même si ça touche... Oh merde, contourné. Oh oh. Non, ça va. Oh, lui, il va pas faire grand chose, il est empoisonné. Oh la chance, quoi. Critique. La chance, sérieux. L'autre, il me sort un critique. Non, on pourrait faire une extinction, 90% de faire une extinction. Ça pourrait être utile, honnêtement. Faut qu'on tue lui en premier. Comme ça, on enlève les protections. Mais comment on peut le faire? On va s'avancer. HP, ça fait un peu chier. Ah, oh, on va pas bouger. On va pas bouger parce que sinon j'ai peur qu'il y ait un autre pod dans le... dans le coin. Ça. Allez, vas-y. Ce qui est marrant, c'est que le tir marche. Le deuxième tir, en fait, prend le bonus des 15% quand il tire, vous savez. Intéressant, ça. Je vais vous anéantir. Concentration. Il y en a toujours un dans le bâtiment, hein, j'ai pas oublié.
Okay, I'll go. Est-ce que maintenant... non, je peux... Protocole de combat 7 à 8. Ouais, sinon ça va pas tuer. These things cause more problems than they solve. Voilà. Très bien. On a encore 10 tours, on a tout le temps du monde. Ah, lui il va faire chier mais il est toujours empoisonné donc sa précision tout ça c'est très très bas, enfin c'est abaissé quoi. Là tu vas se protéger, ça va. Je ne pourrai pas repousser les attaques bien longtemps. Allez, protège-toi. Esquive. On a pris l'habilité pour contrer, pour renvoyer les dégâts ou pas? J'ai l'impression qu'il n'y a pas ça. Venez à moi. Allez, ciao. Voilà. La journée m'appartient. Parfait. There we go. Man, good thing I've watched Die Hard like 50 times. Otherwise, I wouldn't know anything about guns. On pourrait faire une taillade. Ah, dans ma tête, je vais faire une taillade pour qu'elle ait une chance de récupérer une concentration, parce qu'elle a quand même un pourcentage de chance, parce qu'on l'a débloqué. Et après avancer, mais en fait on aurait pu tout simplement la tuer avec la Templière. Parce que là, le truc il est à notre merci quoi. On aurait pu tout simplement le tuer avec le Templier. Je me demande ce que c'est un dog catcher. En fait, je ne pense pas qu'ils aient... Oh, attends un moment. Roland. Dans le camion, hein, on est d'accord. Copy that. On a encore du monde sur la map. Wow, that looks hot. I want some marshmallows. Wow, that looks hot. I want some marshmallows. Moving to position. Où tu vas? Par où tu passes? Ah là. Ah, on a trouvé. Le capitaine d'Advent nous serait très utile si nous pouvions le désactiver. On a le capitaine. Ça marche. Il faut qu'on le fasse, hein, sinon on est mort. Ah merde, il y en a encore un peu beaucoup quand même. Je couvre la zone. Affirmative. Une approche assurée. Come on. On va garder le saut d'Icarus. D'Icar, pardon. Pour le prochain... Pour planter le truc.
par contre toi tu... je sais pas où tu peux aller. Dans le bâtiment, putain. Ah bah merde. Bah après on a encore 9 tours, ça va, c'est pas... Allez, faut qu'ils viennent vers nous. On a utilisé combien de glace? Une fois? De grenades à glace, je crois. Yes! C'est parti! Alors le Jack, c'est lui, hein. Donc lui, on ne le touche pas pour le moment. Faudrait que bien faut faire péter les deux autres, je dirais. On va voir si on peut pas les tuer. 8 9. On est très très mal positionné. Hein. On est très très mal positionné. Parce que si on avance, je pense que les... Non, quoique non, non, ils risquent pas de nous voir. Là, il y a une... Ça, c'est une porte de hangar. Non, c'est vraiment si on s'avance là qu'ils vont nous voir. Donc, voilà, il y a des fenêtres, je crois. Voilà, il y a une fenêtre. Peut-être qu'ils ont vu... Non, là, il y a un mur. Non, non, ça va. Ils vont pas... Non, ils vont pas nous voir. En tout cas, ils devraient pas. Alors, on pourrait attaquer avec Mox et après... couper avec le Templier. Mais ce qu'on va faire d'abord, je pense qu'on va pirater le... l'autre, là. Comme ça, on va voir où la chose apparaît. C'est parti. Hey Gordon. Bien joué. Nous avons un accès total au réseau psionique d'Advent. J'ai mobilisé tous nos systèmes pour le traitement des nouvelles données. Mais nous devons faire vite. Ils ne tarderont pas à s'apercevoir de notre intrusion. Très bien. Okay, let's get down a bit. Does this guy have any money on him? Snacks? Information sur l'élu, cachette, cool. On a eu de l'information sur l'élu en fait. Parce qu'on a réussi. Et après la gâchette parce qu'il l'avait sur lui. Ça va que 13 HP. Il faudra le neutraliser si nous voulons récupérer ces données. Compris. À vos armes, on a notre cible. Ah, on peut bouger. Oh, cool, cool. Ah, je pourrais faire un truc sympathique. Je pourrais faire un truc sympathique, c'est ça. Understood. Moving out. C'est utiliser la piqûre. J'aime bien le logo. Oh, ça fait un critique, c'était pas obligé. Hein. Oh non, pas encore. Oh, je suis désolé. Je suis désolé, on va devoir charger la partie. Oh putain. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Honnêtement, je sais pas pourquoi ça fait ça. Quand ça fait des fois des... Je sais pas, la caméra elle doit se bloquer dans un... Dans un décor, parce qu'on entend en fait une radio là. Vous savez, ce sont les... Je laisse sur pause, parce que sinon ça fait un bruit horrible. C'est le... Avec les pubs, sorte de petit truc qui tourne avec les pubs là. J'ai l'impression que la caméra reste figée là-dedans. Enfin bref.
Ok, on est de retour ici. Donc ça va. Je pense pas que j'aurais coupé parce que c'était très rapide le chargement, tout ça. Donc ça va. Ok, il n'y a rien qu'à bouger. On a fait le truc. Ah, par contre, il nous voit. Mais c'est qui nous voit? Ouais, ça va. Il a fait. Ça fait 3 HP. Du coup, ce que je voulais faire, c'est ça. C'est tuer en fait avec le. Avec le Templier. Vous paierez pour ce que vous avez fait. Les forces d'Advent. What? D'où ils viennent? Ah, d'où ils viennent? Et après, ça c'est l'autre pod. Ok, on va devoir... On va devoir bien la jouer. On a quoi? 3 mecs, hein. On a 3 mecs. Que là on va avoir un problème. On a une grenade à glace et c'est tout. Alors si on se met là, ça nous permettrait de les prendre en... On se fait chier parce qu'il voit pas lui. Mais on pourrait peut-être tuer le mec. Mox, il faut pas lui mettre des balles robot. Je crois que c'est un... Je crois que c'est une erreur en fait de lui avoir mis des balles robotiques, anti-robot. Faut lui mettre du feu ou du poison. Parce que comme ça il peut tirer sur plusieurs cibles à la fois, enfin en même temps. Comme ça il met du poison et du feu partout. Oh la vache, c'est des dégâts de merde. Même si j'avance. Là, j'avoue qu'on est mal positionné. On est très très mal positionné. Pourquoi je fais ça. Je sais pas, lui je l'aime pas. Lui. Wow. Plus jamais les balles. Bonjour, je voudrais la texture s'il vous plaît. Plus jamais les balles anti-robot. Parce que là on peut juste partir en fait, hein. On peut juste partir, c'est pas très loin, il faut juste monter là. Donc ce pod là on va pas le faire. Par contre le codex, je crois qu'il faut le tuer le codex. Je suis pas sûr. On va la mettre en hauteur, elle, pour que... Ah, t'as qu'à te mettre là. Là, ferme la porte. Et mets-toi en position défensive. Très bien.
Ouais, les autres se déplacent. J'ai peur qu'ils nous voient en... pendant qu'on se déplace. Enfin, pendant qu'ils se déplacent. Téléportation. Ça va. Le codex semble être un flux qui existe simultanément à travers plusieurs dimensions. Bombe psionique. Après, ça explose. T'as déjà fait un clone ? Le codex projette de multiples copies de lui-même dans notre dimension. Intéressant, t'as déjà fait un clone. Ah, attendez. Oh. Voilà. T'as fait un clone automatique. Je savais que c'était... Quand on leur tirait dessus, je pensais pas qu'ils pouvaient le déclencher comme ça quand ils voulaient. Orders confirmed. On the move. Autant lui faire beaucoup de dégâts. Yes! Critique après. Parfait. C'était surtout pour enlever la vigilance en fait. Hein. C'est que il le tuait ou pas, ça revenait au même pour moi. Donc maintenant on pourrait tuer celui-là. Il a que 2 HP. T'es-tu fou de ma gueule? Lui il a 15 par contre, c'est un problème. Ah, j'ai cru que c'était un grenadier, mais c'est Freeman qui est là. Il est où l'autre codex? Il est là. Avec autant d'armure, ça fait chier. Mais ce qu'on va faire, c'est ça. Yes, tu l'as touché. Bien, bien, bien. Yes, cool. Voilà. Fallait qu'il touche la première fois et la deuxième fois, ça allait le tuer. Ok, très bien. Donc du coup, Mox pourrait attaquer lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attaque deux fois, on bouge pas, ou on attaque une fois et on a une chance de critique? Ah ah! Question! Je pense qu'on va simplement attaquer deux fois. Ah, il y a toujours ce con derrière, j'ai oublié. Il y a toujours là. Par contre, l'effet il est parti, il a disparu, mais il est toujours là. Donc il va falloir qu'on bouge. Then we're all in agreement. Voilà. On va le détruire lui. Il a fait une grosse erreur de se diviser déjà, en fait, niveau combat. Parce que on fait beaucoup de dégâts, on fait facilement 4. Donc du coup, là on peut les tuer très très simplement. Il ne reste plus que lui, on pourrait le faire en contournement. Et on garde le templier pour autre chose. Pour lui par exemple. Ça devrait le tuer, j'espère. Très bien.
va déplacer elle. Parce que j'ai peur que ça explose. Il faut faire attention à lui par contre. Ce serait vraiment con que il arrive à la tuer. Salut, ça va ? Très beau travail, commandant. Il semblerait que le codex ait laissé des résidus physiques en se dissipant. J'espère qu'ils nous permettront d'en savoir plus sur les projets des extraterrestres. Je me tiens prêt. Where am I going? Voilà. Il y a les autres qui bougent. On a encore 7 tours, ça va. Au final, il n'a pas bougé. Ça a permis... Oh la vache. Ça va, tout le monde va bien? Okay. Ça a permis de... faire en sorte qu'il bouge pas de son camion, voilà, c'est ça surtout. Scolaire, c'est pour s'approcher d'un ennemi. Seront tous vengés. Déplacement tactique. Ah, d'accord, on passe à travers la paroi, c'est pas grave. Ouais, là avec du feu en plus. C'est vraiment con ce que j'ai fait. Subissez le pouvoir des Templiers. Ouais, vraiment con. Mais bon, on va se... Man, good thing I've watched Die Hard like 50 times. Now nobody needs to die unless I think of another reason. C'est bon, on peut partir tranquille et pas de problème. À gagner. Il y a toujours l'autre pod, mais on va l'ignorer. De toute façon, ils sont en train de partir loin, donc ça va. Par contre, tu veux passer par... Merde. C'est pas là. Voilà. J'espère qu'ils vont pas venir. Enfin sinon on les tue, ça va être trop dur, mais bon. On a que 6 tours quoi. On peut partir. Quelqu'un peut prendre des cadavres ou pas? Je peux pas transporter des mecs. Non. Ok. Yeah. Can do. Moving. Ils sont sur le cam. Ah ouais mais. Ah non quoi. Si ça va augmenter le blast. La portée du blast. Donc en théorie je peux les faire exploser. Ça va pas les tuer mais ça va leur faire extrêmement mal. On verra.
On va se mettre là parce que ouais. Parce que là, c'est la fenêtre en fait qui nous fait chier. Un peu la fenêtre. Une approche assurée. Bon, on va mettre quelques personnes en vigilance quand même pour aider si jamais on a un problème. Mais... Non. Non, ça va. Ah, parce que là, il nous voit en fait. Enfin, franchement. Honnêtement, je sais pas comment parce que là, c'est fenêtre. Là, c'est. Ouais, non. Ah, ouais, non, c'est une fenêtre en fait. C'est pas un mur. Ouais, comme ça. Fenêtre. Porte apparemment qui est ouverte. Je sais pas. Fenêtre. Ouais, je sais pas. Des fois, c'est un peu, hein, c'est un peu abstrait. Hein. Faire gaffe. Understood. We're on it. I'm a track star. I'm amazing. Allez, on se casse. Ouais, on pourrait complètement... Enfin, lui... Ouais, non, on pourrait pas toucher l'autre. Bah, c'est pas grave, on se casse. Moving to designated position. C'est parti. Le VIP est avec moi. Nous sommes en route vers le point d'extraction. Ici l'oiseau de feu, on a le VIP. Menace 1-5, statut confirmé, mission accomplie. Pas mal. Le président a félicité aujourd'hui nos fidèles citoyens qui se battent contre ceux qui préfèrent abandonner nos valeurs pour celles de l'ancien monde. Ces mots ont été suivis d'une minute de silence pour les soldats de la paix abattus par les rebelles d'XCOM. Yeah, 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 yeah. Bah, je suis ravi que notre collaboration on a arrêté l'apocalypse. Aussi bien, commandant. Leurs soldats sont d'une grande aide dans cette région. Commandant, on a arrêté l'apocalypse. Pour avoir mené à bien une mission difficile et récupérer le cerveau du Codex. On a récupéré deux cadavres aussi. Et ça. Bonjour, commandant. Projet Avatar, moins 2. On va regarder. Pour être sûr, parce que sinon c'est game over. Et voilà. Vous avez vu un peu comment on sauve la... On sauve de justesse. La mort de cette créature et la récupération de son cerveau risquent de retarder sérieusement le projet Avatar des extraterrestres. Voilà. Vous avez détruit un réceptacle de la sagesse des anciens et ainsi gâché une occasion d'acquérir le savoir qu'il contenait. Commandant, merci d'avoir recruté du personnel pour l'équipe d'ingénierie. Mais des gens sont encore en attente d'une affectation. Ils peuvent travailler à la construction, l'excavation ou dans une installation. Canoirion, 7 jours. Alors eux, c'est qui eux? Joff et Ludmilla. Est-ce que c'est des gens qu'on utilise ou pas? Non. Ah ben, on a qu'à faire en sorte qu'ils soient frères d'armes. Voilà. Alors, fais voir un peu. Cauchemar d'Advent. Ils ont aucun kill ensemble. C'est juste parce qu'ils ont fait des... Ils ont fait des missions de conseil. C'est marrant. Bon, voilà, ça s'est bien passé. Par contre, Mox, ouais, plus jamais des balles, c'était con. Enfin, c'est... À la limite, oui. Alors oui, c'est bien quand il y a des robots, tout ça. Mais à la limite, c'est mieux de le mettre sur un grenadier qui a double tir. Parce que le grenadier, en fait, va détruire l'armure en même temps. Alors que Mox, si je me trompe pas, il a pas d'habilité pour ça. Donc lui, il lui faut mettre du feu ou du poison. Je dirais plutôt feu parce qu'on a déjà le poison en grenade.
Donc lui, ça va être Monsieur Feu. Parce que là, si on commence à tirer un peu sur plusieurs ennemis avec Mox, et ça, j'en avais déjà parlé, c'est vraiment bien, parce que ça fout le feu à plusieurs personnes, leurs stats baissent, etc. Enfin voilà, c'est cool, quoi. Par contre, il faudrait envoyer Mox, ou alors Gordon en le... Ah mais non, mais il a quoi? Tir manqué. T'as intérêt de pas te manquer, quoi. Et là, c'est la peur des élus. Ouais. Bon, bah voilà, c'est très très bien passé. On va continuer à soigner un peu tout le monde. Je pense que... 4 jours, 10 jours, ouais... On va prendre contact et on va rester sur la balise pour se soigner rapidement parce que ouais, on est encore un peu, hein, on est un peu dans la merde. Le Templier, 9 jours. Enfin voilà, on est un peu encore en problème avec l'équipe. On n'arrive pas à faire de mission sans se faire toucher, on va dire, en ce moment. Là, on n'arrive plus à faire ça. Donc ça risque d'être un problème. Après, quand on aura Four Eyes et tout ça en plus, ça sera bien. Et le Spark surtout. Faut que le Spark revienne. Parce que les gens se fatiguent en fait. Donc pour que le Spark revienne, il faudrait même en créer un deuxième. C'est plutôt drôle. Enfin, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Salut. Ciao. La prochaine, on fera, je pense, mission normale. Pour le prochain élu, on a encore un peu le temps. On a genre un mois, je pense. Dans le jeu, hein, pas un vrai mois. Je pense que dans un mois, ça sera bon. Allez. Ciao. À la prochaine.